championnat du monde était assez particulier parce qu'on était 12 dans la catégorie, dont 10 médaillés mondiaux. Je prends au premier tour le 3e de l'année dernière que je bats, au deuxième tour le champion d'Europe en titre que je bats. Je m'attendais à prendre le japonais après, qui a perdu contre un kazakh inconnu que je rencontre en demi-finale. Puis je rencontre après en finale le hongrois qui m'avait battu au championnat d'Europe cette année et donc je prends ma revanche en finale du championnat du monde où j'arrive à le battre en fait. Ce titre représente un aboutissement puisque ça fait 35 ans que je m'entraîne pour ça, c'était mon rêve de gosse. C'est ma 3e finale mondiale maintenant, ma première médaille d'or. Au niveau de mon emploi du temps, ça représente un peu la totalité de mon emploi du temps. À part mon boulot, je m'entraîne plusieurs fois par jour depuis des années pour ce titre. Alors mon projet pour les World Master Games, c'est d'y aller avec mes élèves de l'IME Les Parents qui vont m'accompagner, ils vont venir me voir combattre là-bas, ils vont me soutenir. Et on va s'entraîner ensemble au Japon pendant une quinzaine de jours et visiter la région du Kansai.